بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors toujours avec le cinquième appel, projet 2, séquence 2, pardon, projet 1, séquence 2, je m'entraîne. Donc là, on a tout le projet 1, bien sûr. Donc, mais traîna la deuxième séquence. Alors, là, on dit safha 32, on va faire l'exercice ensemble. Alors, mais au féminin, les noms entre parenthèses, yani bain kawsain, puis lit le texte. Qu'adore voir les visiteurs. Qu'adore, ça veut dire. Alors, qu'adore, ماذا يحب les visiteurs, يعني الزوار. ماذا أحبب الزوار في هذا في هذه في حديقة الحيوانات. Voilà. Une belle journée au parc de Dijel. Une belle journée au parc de Dijel. Donc, Dijel, c'est une wilaya qui se trouve à l'est de l'Algérie, في شرق الجزائر. Les enfants sont contents de voir les vendeurs. Les vendeurs, moi, al-ba'i'un, de jouer. Alors, ba'i'u al-al'ab et des vendeuses. Donc, là, les bien qu'on la couleur bleue, on va dire le féminin. Voilà, on a au pluriel, féminin pluriel. Alors, vendeur, tout lit. Alors, un vendeur au masculin, pardon, oui, au masculin. Donc, on a les vendeurs, là, on fait pluriel. Nous avons le féminin. Alors, chengourou, vendeuse. Alors, elle dit heure, ça devient euse, on dit le s, ça le pluriel, bien sûr. On a le pluriel. Hein. Alors, on a féminin pluriel, ou on a masculin pluriel. Donc, vendeur de glace, il y a aussi où j'ai donné des joueurs. Alors les garçons ou bien le masculin goulou des joueurs, donc on a la fille pluriel, nous au féminin goulou joueuse. Alors là heure ça devient euse, on dit le s à pluriel, le s est à pluriel, quand on dit singulier on dit le s. Alors du judo et des coureurs, alors coureurs, des coureurs, alors coureurs, des coureurs, donc on dit des, donc c'est le pluriel, des coureurs, alors je voulais des coureuses, alors na coureuses, nous disons le pluriel, bien sûr. Alors, qui s'entraînent dans la forêt du parc. Les visiteurs adorent voir le loup derrière les barreaux. Alors, les visiteurs, c'est au masculin pluriel. Donc, pardon, visiteurs. Visiteurs avec S au pluriel. Les visiteuses, donc, c'est au féminin pluriel. Alors, les visiteuses au féminin pluriel. Donc, voilà, visiteuses. Alors, neyeuses. Voilà, euse. On a dit heure, ça devient euse. Donc, on a dit tous les mots qui se terminent par heure, min haouloum le féminin ou l'euse. Donc, on a dit que nous avons 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 dit le féminin, on a dit que nous avons dit heureuse. Donc, ça ne change pas. Mais si nous avons dit le masculin, كان يكمل pardon كان au pluriel اللي كان في الجمع même في الفيمينه غادي نحولوه لاس ونزيدو له بيان سور الاس تاع البلوريال دونك هذا الاس تاع سي لا مارك دو بلوريال دونك هنا القاعده الصحيحه اللي يكون في سينغولي في المفرد اور سا دوفيان اوز ولكن هنا زدنا الاس بيان سور تاع لو بلوريال تري بيان نروحو لاكزرسيس نيميرو 2 كومبليت لو تيكست بار لو غروب دو مو كومبليت لو تيكست بار لو غروب دو مو. Alors, le loup passe son temps, alors là on dit le kelimetouma, à chasser, à la fin, à côté. Le loup passe son temps, les petits animaux. Alors, le loup passe son temps à chasser les petits animaux, comme les lièvres et les rats de champ. De l'hiver, à la fin de l'hiver, fini haïtchite, il creuse sa tanière à côté de la rivière. بالقربي من النهر أو بجانب النهر. Donc à côté بجانب. À la fin finit à chasser l'estiade. Le loup passe son temps.
يعني يمضي وقته à chasser les petits animaux, les stéades, les حيوانات الصغيرة, comme les lièvres, les أرانب الصغيرة, et les rats, ou الجردان, les rats de champ, يعني الجردان الحقول, à la fin de l'hiver, في نهاية الشتاء, il creuse sa tanière, يعني يحفر الجحر نتاعو, ou الغار نتاعو, à côté de la rivière, بجانب, à côté, c'est بجانب, la rivière النهر. Il crée un texte pour décrire, puis présente le loup du parc à Gigel, le parc de Gigel à tes camarades. Donc là, on va écrire un texte pour décrire les wasfs, le loup, pour présenter le loup du parc de Gigel. Donc là, ici, les enfants ou bien le visiteur, il a vu quoi? Le loup dans le parc de Gigel. Et il va décrire le loup pour le présenter à ses camarades. Yani, nous sommes le débêche. نقدمه à mes camarades. Très bien. Donc, il a donné le loup, un renard, un animal sauvage. Attendez là les crocs. Les crocs, comme l'anièvre ou l'asnèvre, t'as le loup. Les oreilles, voilà. Le museau, voilà. La queue, donc la queue, c'est Adèle. Grande, pointue et longue. Il habite, il ressemble à ou bien au. Il chasse, il a, il est, voilà. Très bien. Donc, on va dire la chose que nous avons la production écrite. On va dire les élèves, c'est je commence par le titre. Donc, on commence par le titre. Donc, c'est le loup. Voilà. Donc, le loup. Alors, now nous les la ligne, Shankse. Le loup est un animal. Est un animal sauvage. Donc, comment m'a tenu Néa? Sauvage, animal sauvage. Alors, point. Ressemble. Yishbeh. Il. Donc, ça, il me dit le loup. Le pronom personnel, il. Il ressemble. Il ressemble au renard ou bien au chien. Généralement, on dit que le loup, il ressemble au chien. Yishbeh le kelb. Alors, il ressemble au chien ou bien au renard. Il ne se m'y connaît pas même. Le renard, le talb. Alors, Aïna Yaïch, donc il vit, c'est le verbe vivre, il vit dans la forêt et les montagnes aussi, hein. Il vit dans la forêt et dans les montagnes. Les montagnes. يعني يعيش في الغابة وفي الجبال. Point. Il chasse. Alors, il chasse les petits animaux. Les petits animaux. A-U-X à la fin parce que c'est au pluriel. Comme. Comme quoi? Alors, comme les lièvres. Alors, c'est comme le renard, hein? Les lièvres et les rats du champ. Et les rats de des champs, voilà, ou là, les rats des champs. S à la fin. Voilà. Alors, il a de grandes croques, Agnès. Il a de grandes croques et de petites oreilles et de petites oreilles.
petites oreilles. Il a un museau pointu. Un museau pointu et une longue queue. Wadaylon tawil. Une longue queue. Point. Alors, sa femelle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle la louve. Sa femelle s'appelle, c'est un verbe pronominal, s'appelle la louve. Sa femelle s'appelle la louve. Et son petit, je sais que c'est un peu lent, Touil Chouya, mais donc il est riche de mots et de verbes. Donc, Narit Doumaloumet, c'est tout. Alors, et son petit est le louveteau. Voilà. Alors, virgule, son cri, yani saut, et le hurlement. Et le hurlement. Voilà. Alors, Gounaouniaïch, donc voilà, qu'est-ce qu'il chasse, qu'est-ce qu'il a. Voilà. Donc, on a fait presque le nécessaire. Voilà. Alors, Naoudounkolo, le loup. Le loup est un animal sauvage. Point. Il, nebda majuscule. Il ressemble, Ishba. Il ressemble au chien, Ishba ou lequel. Il vit dans la forêt et dans les montagnes. Yaïchoufi al-Jibel aussi. Point. Il chasse les petits animaux comme les lièvres et, donc on a des accents, accent grave. Lièvre, lièvre. Et les rats des champs. Point. Après le point, il, avec I majuscule, il a de grandes croques et de petites oreilles. La liaison. Point. Il a un museau pointu et une longue queue. Point. Sa femelle s'appelle la louve et son petit est le louveteau. Son cri est le hurlement. Alors, هنا بالنسبة للقراءة دونك هنا دائما نقول للزلف تاوعي يديروا لا بونكتواسيون علامات الوقف مهمة مهمة dans une production écrite ونديروها toujours un stylo vert باش نعرف لو بوين ونعرف لا فيرغول كي تكون عندي فيرغول ما نبداش ماجيسكول نكمل بالمينيسكول بصح كي يكون عندي بوين ابري لو بوين toujours ماجيسكول الوغ غادي نسطروا مع بعض لي فيرغ. Alors, là, on doit utiliser un stylo vert, pardon, un stylo rouge. Alors, pardon, là, on dit « et », c'est le verbe « être » conjugué au présent de l'indicatif. Ou d'ailleurs, les élèves, on utilise le verbe « être » dans la description. On utilise le verbe « avoir » qui est يعني مكونات الجسم par exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans le حيوان, ou dans cette chose, ou dans l'insan, qu'est-ce qu'il y a le verbe « avoir ». Alors, le loup est un animal sauvage. Donc, sauvage, c'est quoi? C'est un adjectif, c'est pas. Il ressemble, donc le verbe ressembler, c'est un verbe du premier groupe, yeshbeh. Au chien. Alors, là, kain o, le o, l'in, le horof, li, d'entokha o, on dit a-u, on dit a-u avec x au pluriel, on dit e-a-u. Et donc, l'in, notre groupe o. الحروف اللي نطقها A اللي تكون في آخر الكلمة جنرالمون عندي ER ET EZ EST ES E AI هادو نطقهم A كيكونوا في آخر الكلمة A ER ET EZ EST ES E AI هادو قاعد نطقهم A avec un accent aigu. Voilà. Alors نعاودو نقولو. Alors, il ressemble au chien, point, donc point, voilà, il vit, donc c'est le verbe vivre, il vit dans la forêt. Alors, dans, il y a, c'est un CCL, yani, edes, l'indiroubiha, le complément de lieu, darfou, darfmeken, yaishoub, filrabeti, dans la forêt, et dans les montagnes, al-jibel.
Il chasse, le verbe chasser, c'est un verbe du premier groupe. Il chasse les petits animaux. Donc, on a la liaison, les petits animaux. A-U-X, on dit animaux. Alors, on dit le O, A-U-X. Comme, mitla, les lièvres. Qui n'ont pas son. Donc, c'est un accent grave. Ou accent aigu, ou le notre A. Et les rats, là, je ne prononce pas le S. Les rats des champs. On a le P ou on le S. Il a, donc elle a le verbe avoir. Il a de grandes croques et de petites oreilles. Point. Il a le verbe avoir, un museau pointu et une longue queue. Donc elle dit longue, c'est un adjectif. Pointu, c'est un adjectif. Petite, c'est un adjectif. Grande, c'est un adjectif. Voilà. Voilà. Donc, c'est des adjectifs. Un museau pointu et une longue queue. Sa femelle, c'est un adjectif possessif. Mata sa, montant son, mettez c'est ça. Sa femelle s'appelle, c'est un verbe pronominal. Le verbe s'appeler. Alors, sa femelle s'appelle la louve. La louve. Et, des ET, c'est une préposition. Wa, wa. Et son, des tennis son qui m'a ça, donc c'est des adjectifs possessifs. Mata ça, montant son. Alors, elle dit montant son pour le masculin ou mata ça pour le féminin, parce que gouna femelle féminin, son petit. Alors, petit là, le petit, ça veut dire le masculin. Le petit et, c'est le verbe être. Et le louveteau, alors E-A-U-E-D-N-T-R-A-K-I-M-A-L-O. Alors, son, donc c'est un adjectif possessif, son crée. Le cri, pardon, son cri, il y a les sautes et le verbe être et le hurlement. Donc, le saut à dib, c'est le hurlement. Donc, là, on a écrit une petite production sur le loup. Donc, c'est un animal sauvage et carnivore. Donc, un amagounej est mammifère aussi. Donc, le loup est un animal. Donc, un amagounej, le loup. Est un animal. Gounaré sauvage, hein? Est un animal carnivore. Est un animal carnivore et. Donc, carnivore, c'est bon. Est un animal carnivore. La louve, elle est mammifère. La louve, elle est mammifère. Donc, Minette donc, la louve. Alors, le loup est un animal carnivore. Alors, Nijmangoulouf, c'est un animal dangereux. Donc, c'est un animal. C'est un animal. Demen Bello, biha la production. Dangereux, yani khatir. C'est un animal dangereux. Donc, là, c'est un animal dangereux. On a donné un point. Gdinab, un C majuscule. Un animal dangereux. Donc, dangereux, tani, c'est un adjectif. Houa, hayawan, on khatir. On dit un point qui nkemlo la production. Alors, le loup est, donc on a tenu le verbe être, est un animal carnivore. Donc, carnivore, c'est un adjectif. Sefata, c'est un animal carnivore. Donc, voilà, aujourd'hui, on a fait une production sur le loup. Donc, c'est un animal sauvage. Il ressemble au chien. Il vit dans la forêt. Il vit dans la forêt. Alors, il est dans les montagnes. Il chasse les petits animaux comme les lièvres et les rats dans les champs. Il a de grandes croques et de petites oreilles. Il a un museau pointu et une longue queue. Sa femelle s'appelle la louve et son petit est le louveteau. Son cri est le hurlement. Le loup est un animal carnivore. C'est un animal dangereux. Voilà. Alors aujourd'hui, on a fait quelques exercices sur le manuel à la page 32, plus une petite production écrite sur le loup. Alors merci pour les commentaires, pour les j'aime et au revoir.